En septembre 2002, Ismaël Omar Guelleh, aujourd'hui président de la République de Djibouti, est reçu à Paris. Après une réception chaleureuse à l'Élysée, il tient une conférence de presse. Michel Despratz, pour 90 minutes, en profite pour lui poser quelques questions sur l'affaire Borrell et sur son implication éventuelle. Djibouti, la France, où en est l'affaire Borrell ? Je suis un chef d'État, n'est-ce pas ? Et je n'ai pas de... Mais ceux qui m'accusent ne sont pas devant moi, n'est-ce pas, pour m'accuser, n'est-ce pas ? Et je ne vois pas pourquoi un coopérant qui est dans notre pays, à notre demande, pourrait être assassiné par notre gouvernement. Qu'est-ce que je ne vois pas, n'est-ce pas? La chose la plus simple aurait été de lui dire de partir et de quitter notre territoire, mais nous n'avons pas besoin de l'assassiner, n'est-ce pas? Bon, comment expliquez-vous avoir été cité dans des notes des services secrets français comme pouvant être le commanditaire d'attentats anti-français? Ce sont des pièces qui font partie du dossier d'instruction sur l'affaire Borrell. Vous ne voulez pas répondre? Ah bon? Allez, est-ce que c'est bon? Vous ne voulez pas répondre, Monsieur le Président? Je suis pas capable, Richard.